Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. Je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination de race mette également toute discrimination sur les sexes.